Vendredi 14 février 2020, cette émission est automatiquement dédiée au Saint-Valentin, les Saintes-Valentines également, ceux qui sont quand même les vrais mariés. C'est la date de se réjouir et dans l'histoire, ça s'est également marqué que voilà, le Saint-Valentin doit être une fête internationale. Et puis aujourd'hui, les vrais mariés aujourd'hui fêtent leur anniversaire, ils vont se retrouver et essayer de partager le même repas, essayer de partager quand même le même verre. Donc, merci, mesdames et messieurs, d'être branchés sur Tempo Afrique TV pour essayer de suivre cette nouvelle émission. Lumière internationale, vous y êtes, nous y sommes. Nous sommes au 14 février 2020, comme je vous le précisais. Alors, sur ce plateau, nous allons rapidement décortiquer autour d'un terme dont le suivant. Les irrégularités et les coïncidences se font savoir déjà dans le programme de la Commission électorale nationale indépendante. Quelles sont vos inspirations à propos? Que peut-on faire pour éviter le pire déjà? Donc, telles sont quand même les grandes inquiétudes que nous allons essayer de tenter à répondre et essayer de donner quand même ce qu'il faut nécessaire pour les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante du Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est aujourd'hui en voie d'être élire un nouveau président. Donc, le 22 février prochain, les Togolais sont appelés aux urnes pour essayer d'élire un nouveau président. Donc, tel est quand même le sujet à débattre. Je suis sur ce plateau avec deux invités principaux que vous connaissez bien avec moi. D'abord, en premier lieu, professeur Moussa Issifou. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gabriel Atona, et bonsoir à tous nos Tempo spectatrices, Tempo spectateurs et Tempo spectatrices. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi, malgré votre agenda trop chargé. Alors, le second invité, en deuxième position, Serge Nyawa. Serge, bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Comment ça va? Ça va bien. Et chez vous? Oui, ça va. En tout cas, vraiment, c'est un honneur encore aussi de vous retrouver pour cette grande émission qui fait fureur. Hein? Merci, encore une fois de plus. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre surcharge que vous avez. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Alors, le débat, le grand débat, c'est parti. Et le sujet, je vous le rappelle une fois encore, des irrégularités et des coïncidences se font savoir déjà dans le programme de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est en train de faire les campagnes à l'heure où nous vous parlons. Ça chauffe au Togo pour ce qui concerne les campagnes présidentielles. Alors, sept candidats en liste pour essayer de se convoyer, bien sûr, se pourvoir, bien sûr, nos postes présidentiels. Le fauteuil est là, donc qui va essayer d'avoir cette garantie-là? Nous sommes là pour débattre concernant les irrégularités qui se font savoir déjà au niveau de la CENI. Alors, en premier lieu, professeur Moussa Issifou, nous allons essayer de vous donner la parole en premier lieu. Vous suivez quand même les campagnes du Togo. Et au Grand Nord, il y a deux grands partis politiques qui ont démarré leur campagne. Au Grand Nord, il y a également Unir pour la République, qui est le parti au pouvoir qui dirige le Togo, dont le président sortant, Effort et Sosna Nyasimbe, est parti commencer quand même sa campagne au Grand Nord. Et également l'ANC de Jean-Pierre Fabre, un parti politique, bien sûr, de l'opposition, le principal d'ailleurs, a démarré également sa campagne au Grand Nord. Donc maintenant, il y a eu des coïncidences dont les éléments sonores vous parviendra d'ici peu. Vous avez suivi quand même les choses. Et quels sont, en introduction, vos propos à l'appréciation? Merci beaucoup, M. Gabriel Atona. Et l'appréciation, c'est que effectivement la campagne a commencé. Et elle a commencé comme, on l'attendait, disons, du moins, les gens l'attendaient. Mais ce qui est un peu anormal, comme nous avons constaté, c'est le comportement anti-démocratique et anti-républicain du parti RPT Unir et ses militants.
qui pensent que le Togo, c'est une chasse gardée pour le régime en place, qui pensent qu'eux, ils peuvent aller partout où bon leur semble, battre campagne, et que les autres n'ont pas droit à cela. C'est ce qu'il faut relever. Et nous avons constaté que à Tandewaré, à Saint-Cassi, à Gando, à comment l'appelle-t-on, à Bassa et à Sotoubouya, l'UNIR a demandé à ses militants d'aller perturber les réunions, les meetings de l'ANC, ce qui est condamnable. Et que dire que Sotoubouya, c'est la préfecture du ministre de l'Intérieur, M. Paya Toua Boukessi. Et là, exactement, il aurait dit que non, ces gens-là ne peuvent pas battre campagne dans ma ville. Ça, c'est un comportement démocratique, ça. Nous avons condamné avec la dernière rigueur ce comportement moyenâgeux. Et lorsqu'on a interrogé le ministre sur RFI, le ministre dit non, que c'est l'ANC qui n'a pas bien communiqué son programme, patati patati, s'il vous plaît. Si l'ANC n'a pas, supposons que l'ANC n'ait pas eu à faire cela, est-ce que c'est les militants du RPT UNIR qui sont les services compétents, les autorités compétentes pour ramener quelqu'un à l'ordre? Qu'est-ce qui empêche le préfet ou la police de venir dire que vous n'avez pas demandé d'autorisation, ne faites pas meeting ici? Et c'est les militants du RPT UNIR qui vont venir perturber la quiétude à ce Sotoubouya. Cela ne s'arrête pas là. Christian Tournois, hier, a fait une démonstration plus honteuse que celle de M. Boukessi. Christian Tournois dit que chez eux, dans les joutes, quand on fait les luttes, c'est comme ça que l'adversaire vient et il vient provoquer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, c'est un argument, ça. Vous vous rendez compte? On confond aisément les lieux. Alors, on veut me dire que c'est seulement les gens qui vont à Ivala, qui sont dans l'RPT INI, pour le transformer en un parti où on pratique des choses traditionnelles qui sont propres à un groupe ethnique donné. Oui, professeur, oui. Ne comprend même pas le sens des rites kabyles. Il ne les comprend pas. Je suis désolé de l'avouer ici. Il ne sait pas ce qu'il dit. Le kabyle qui connaît va être mécontent. Il va rejeter ce raisonnement bidon-là. Exactement. Donc, bon, mais maintenant, professeur, d'après tout, ce sont quand même des responsables et ils sont membres du gouvernement sortant. Donc, aujourd'hui, ce sont eux qui sont quand même à pied d'œuvre pour le contrôle, bien sûr, du Togo tout entier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Togolais se posent beaucoup de questions, comme vous venez de s'inquiéter maintenant. Et avant de donner la parole à Serge Niawa, l'animateur du grand débat sur Tempo Afrique TV, nous allons essayer de se servir de la réalisation pour avoir quand même les détails et les explications qu'a résumé Éric Dupuis, le porte-parole et le chargé de la communication du parti politique l'ANC, proche attaché de Jean-Pierre Fabre. Tout au long de nos déplacements, on a rencontré d'énormes difficultés avec le régime RPT unis. À Saint-Cassé, le 7, c'est le préfet et le maire qui nous ont empêchés de tenir notre meeting à Saint-Cassé. Ils ont refusé tous les endroits à l'opposition. Et c'est au bord de la route, à la sortie de la ville, que nous avons pu réunir quelques militants de l'ANC. Le jour même, on est arrivé à Tanjouaré, c'est la même chose. Le préfet et le maire ont refusé que l'ANC tienne leur meeting dans Tanjouaré. Puis, le lendemain, c'était le tour de Gando. Nous avions prévu un meeting à Gando à 9h du matin.
Et la nuit, on nous a appris que le maire et le préfet nous interdisent l'accès à Gando parce que le candidat Fonia Sibé avait un meeting à Gando, donc tous les autres partis étaient interdits de séjour à Gando. Puis, hier matin, on était à Guérin-Kouka, la même chose. Le maire et le préfet ont fait tourner en rond nos militants en leur refusant les emplacements pour le meeting. Et c'est seulement à 9h du matin, on les a appelés pour leur donner un endroit quand ils savaient bien que le meeting devait se tenir à 10h. C'était décidé hier soir. Je ne savais pas. Hier soir, je ne savais pas. Moi, on m'a appelé à 21h, à ce côté pour me le dire. Je ne savais pas. Qu'est-ce que le préfet vient chercher et où le maire vient chercher dans cette affaire? Moi, personnellement, je ne suis pas mis en cause. Comme le principe, c'est pas bon. Intervenir dans cette affaire. Il y a des élections. Il y a le candidat du parti au pouvoir, mais il y a d'autres candidats. Et tous doivent être sur le même pied. Et à partir du moment où le préfet, qui est le représentant du pouvoir central, s'ingère, c'est pour servir les intérêts de sa cause. C'est comme vous apprenez à nous, comme si nous n'étions pas là. J'ai dit tout à l'heure que vous n'êtes pour rien. Mais vous représentez une institution qui n'a pas joué son rôle. Quand on organise une élection, la première des choses, c'est de voir, parce que la loi dit qu'il faut le faire avec l'administration. Ce qui veut dire que la CENI devait travailler avec les préfets, les maires, pour dire voici comment nous organisons les élections. Voici comment les choses doivent se passer. Si ce travail n'a pas été fait, évidemment, c'est que l'institution est défaillante. Oui, et les préfets. Elle est défaillante. Prennent le préfet et le maire n'ont rien à voir dans l'organisation des élections. Le préfet doit le comprendre. Et si le préfet ne le comprend pas, mais il ne joue pas son rôle. Il est peut-être que nous ne sommes pas. Moi, je pense que dans le code, on dit que les partis politiques la CENI devait faire son travail avec l'administration. Mais lorsque toute la mobilisation a été empêchée, avec qui vous voulez qu'on fasse un meeting? Bon, la mobilisation, elle est comme à vos militants. Ça, ce n'est pas le problème de la situation. Lorsque vous êtes quand vous déplacez les lieux, les gens ne vont pas venir à un meeting par génération spontanée. Puis nous sommes allés à Djakpanga, où nous avons reçu un accueil chaleureux de la part des populations. Mais arrivé à Bassa, la place qui était réservée avec l'accord du maire, qui était réservé pour notre meeting, était occupé par des militants RPTUI menaçants, et cela a duré près d'une heure et demie. La question que je me pose, c'est que si c'était l'opposition qui empêchait une manifestation de RPT venir, je crois que les gendarmes, les militaires, les auraient simplement, purement et simplement, gazés, matraqués. Mais devant le RPT venir, ils étaient restés totalement médusés. Puis ce matin, arrivé à Sotoboa, c'est la même chose, même cinéma, le RPT venir a occupé la place que nous avons réservée, où nous avons planté.
Voilà, mesdames et messieurs, est-ce que quand même la manière dont le déroulement de la campagne présidentielle au Togo se passe depuis le Grand Nord en se rabattant vers la capitale Lomé, vous allez constater tout simplement qu'il y a eu quand même des coïncidences et le programme de la CENI qui a été bien défini pour essayer de faire passer les campagnes a fait passer quand même chaque candidat dans son bain pour qu'ils se sentent bien aisés pour essayer de passer leur message à la population. Ce n'est pas le cas, mais finalement, ils ont été contraints de tout argument. Alors, nous donnons maintenant la parole à Serge Niawa, le grand animateur du grand débat sur Tempo Afrique TV. Serge, vous venez de suivre quand même un peu une portion du reportage que les reporters de Tempo Afrique TV à l'intérieur du pays ont essayé de nous relater en vidéo. Alors, quelles sont vos appréciations, vos impressions? Vous venez de voir, de constater maintenant l'effet palpable sur le terrain. Serge Niawa. Gabriel, merci encore une fois de plus pour, en tout cas, nous avoir montré ces images. Merci aussi au professeur qui a quand même fait un détail, en tout cas laborieux. Et cela nous met en même temps dans cette idée de pouvoir qualifier réellement tout ce qui se passe. Monsieur Gabriel, la première question que nous allons nous poser, de quoi le régime en place a-t-il peur? Qu'est-ce qui amène le régime en place de pouvoir adopter ce genre de comportement? Parce qu'on nous dit aujourd'hui que le président de la République reste toujours président jusqu'aux élections prochaines. Ça veut dire que tout ce qui va se passer, la responsabilité sera mise sur le président de la République. Celui qui va endosser toutes ses responsabilités. Parce que on ne peut pas venir théoriquement nous dire qu'il y a 10 000 policiers et gendarmes pour essayer de servir de ce que de droit concernant la sécurité au niveau de ces élections. Et finalement, nous voyons le contraire. Ce n'est pas du tout normal. Non, Serge, il y a également les forces. Les autres à pouvoir faire leur meeting. Parce qu'on parle d'une campagne. On ne vient pas pour servir le président de la République. On parle d'une campagne. On ne vient pas pour s'amuser avec le président de la République, pour ne pas dire l'opposition, pour ne pas dire le régime en place. On parle bien sûr d'une campagne. Alors, chacun devait prendre ses responsabilités et laisser les autres. Oui. Maintenant, les maires, le préfet et le maire, je ne comprends pas. Le préfet ne peut pas se permettre de dire « Vous n'avez pas demandé de l'autorisation. » Je me demande quel est le niveau d'étude de ce maire et de ce préfet qui n'ont rien compris et qui vont essayer d'imposer leur désiderata à des futurs présidents. Mais Jean-Pierre Fabre, c'est un monument. Il faudrait que les gens sachent de quoi il peut être aussi capable. Vous ne pouvez pas venir essayer de leur barrer la route. Alors, faire passer leur message. Est-ce que Serge, qui doit faire réellement passer son message? On ne peut pas. Et quand on parle d'une campagne apaisée, de quoi parle-t-on en ce moment? De quoi parle-t-on en ce moment? Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire le contraire. Ce n'est pas du tout normal. Le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas parce que c'est chez vous, monsieur le ministre, que vous allez quand même empêcher les gens de faire des campagnes. Monsieur le ministre, il y a un minimum de respect. Monsieur le ministre, si jamais quelqu'un d'autre prenait le pouvoir, quel serait votre sort? Gabriel, je voulais un peu m'arrêter là pour ne pas vraiment paraître trop agaçant.
Merci. Je vous rappelle que nous avons seulement une heure de temps de débat pour essayer de rappeler quand même à l'ordre la CENI et ses membres pour que les irrégularités qui se font sentir sur le terrain soient quand même déjà corrigées. Ce problème qui se pose sur le terrain, automatiquement avec deux invités, comme je vous ai déjà présenté, les deux invités qui sont sur le plateau. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos idées, vos questions, vos inquiétudes. Nous allons essayer de vous répondre tout de suite avec nos deux invités qui sont quand même avec nous sur le plateau. Ils sont quand même les nantis, bien sûr, de ce dossier. Ils maîtrisent bien beaucoup de choses concernant la politique togolaise. Nous sommes là. Alors, c'était Serge Ngawa qui était quand même à la parole. Alors, revenons maintenant avec professeur Moussa Issifou. Professeur, voilà que la manière dont les choses se sont déroulées sur le terrain au Grand Nord, il y a eu quand même des empêchements, mais on dirait que la CENI ne s'est pas fait représenter à l'intérieur du pays. Professeur Moussa. Oui, mais la CENI est bien présente partout. Qu'est-ce qui fait que la CENI ne joue pas son rôle là, sur le territoire de l'intérieur? Oui, contrairement à ce que tout le monde, ce que les gens pensent ou bien ce que le régime en place pense, la CENI togolaise est dépendante. Elle n'est pas une CENI indépendante. C'est une commission électorale dépendante. Elle dépend du ministère de l'Intérieur et du gouvernement. Au fait, pour moi, la CENI n'existe pas. C'est le ministre de l'Intérieur qui maîtrise tout. C'est lui qui est au volant. Et donc, c'est lui qui amène, qui dit « faites ceci, ne faites pas cela ». Tout ce qui se passe à la CENI, là, c'est juste pour... C'est un trompe-œil. C'est pour tromper... Donc, pour vous, c'est du folklore. Rien ne se passe au CENI. Je te lance un défi. Appelle quelques membres de CENI que tu connais et demande-lui s'il sait ce qui se passe au sein de la CENI. Il va te dire, je ne sais rien. Seul le président de la CENI et le ministre de l'Intérieur savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi nous avons contesté, protesté contre ces élections-là, parce que les conditions dans lesquelles elles s'organisent ne sont pas des conditions à amener la transparence. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que même l'IA, l'Union africaine, a refusé d'envoyer des observateurs au Togo. Même aujourd'hui, nous l'avons appris. Ça veut dire que ce n'est pas une élection à laquelle les gens croient. Même l'Union européenne ne croit pas qu'il y a transparence. Et donc, nous disons que les conditions dans lesquelles s'organisent ces élections, on n'a jamais vu ça. Même en Gambie, les élections ne sont pas organisées de la manière dont on les organise ici. En Gambie, où Yahya Jammeh a voulu utiliser les billes traditionnelles pour pouvoir faire le vote, il vaut même mieux d'utiliser ces billes-là que de ce qui est en train de se passer là. Les gens ont trompé les gens. Les Bawara sont allés sur les antennes crier qu'ils ont financé l'opposition, la campagne de l'opposition à 500 millions, quoi là. Aucun parti politique de l'opposition n'a reçu un seul franc à jusqu'à l'heure où nous parlons. Pourtant, ils ont... Professeur, sur cette question, si vous avez des preuves, puisqu'ils pourraient quand même le faire, hein, puisque c'est eux qui dirigent le pays. Vous allez dire que depuis que les partis politiques ont dit qu'ils n'ont rien reçu, vous avez vu le RPT démentir, s'il vous plaît. Quand les partis politiques sont montés au créneau pour dire on n'a rien reçu, est-ce que le RPT a dit nous avons remis quelque chose? Dites-moi. Donc, il faut pas prendre la défense des gens qu'on ne peut plus défendre. Ces gens-là, on ne peut plus les défendre. Parce qu'ils mentent comme ils respirent. Vous avez dit, vous allez prendre en charge qui? Vous allez financer quoi? Les opposants n'ont rien, ils n'ont rien reçu. Pourtant, et ils ont la caisse du trésor national. Ils ont toutes les voitures de l'administration togolaise. Ils ont tous les fonctionnaires du Togo. Ils ont toute l'armée. Tout le monde est en campagne pour faire perdurer l'opprobre, pour perpétrer, n'est-ce pas, le règne à vie. Et vous avez vu ça où? Et l'opposition, le parent pauvre de cette campagne, se débrouille.
Mais le peuple est en train de montrer qu'il est fatigué. Même sans sous, sans moyens, vous avez vu l'enthousiasme autour de l'opposition. Exactement. Ça, oh, il faut quand même reconnaître cela. Mais ce que j'ai dit, c'est que ces élections, l'opacité qui entoure ces élections n'a jamais été vue nulle part ailleurs. Même dans le pays de Kim Jong-un en Corée du Nord, où il n'y a pas d'élection, on n'a jamais organisé une élection pareille en Corée du Nord. Ça, soyez-en sûr. Et là, nous disons que le régime, nous sommes fatigués d'avoir honte tout le temps. Oui, professeur. Votre pays, là, votre pays. Oui, professeur. Maintenant, selon vous, est-ce que le préfet et les maires de l'intérieur du pays, est-ce qu'ils ont quand même un rôle à jouer, ne serait-ce même du côté de la sécurité? Est-ce qu'ils ne sont pas quand même impliqués dans l'organisation pour collaborer avec la CENI, voir quand même la sérénité des choses? Ces militants zélés-là n'ont rien à voir avec les élections. C'est pourquoi il y a les représentations, les démembrements, n'est-ce pas, locaux de la CENI, dans toutes les préfectures. Donc, pour toute affaire concernant les élections, la CENI a ses représentants dans chaque préfecture. La preuve, vous avez vu à Bassar, les représentants de la CENI qui étaient debout là-bas. Ce n'est pas le travail du préfet. Le préfet n'a rien à voir avec ça. Si le préfet joue un rôle là-bas, c'est pour faciliter les fraudes massives. Si le maire s'ingère, c'est pour faciliter les fraudes massives. Ces mecs n'ont rien à voir avec les élections. Ils s'ingèrent inutilement. C'est ça qui fait mal. Quand vous voyez des gens comme ça, au fait, le problème du Togo, c'est quoi? Chacun a ses intérêts qu'il défend. Il ne défend pas les intérêts des forts, non. Chacun pour soi, dans ce régime-là. Chacun veut conserver, n'est-ce pas, le petit intérêt qu'il a. Il veut conserver ça. Donc, il doit tout faire pour maintenir le système, afin que demain, ils puissent continuer par jouir illégalement et illégitimement des biens de l'État. C'est ça le problème. Donc, c'est le fait qu'ils gesticulent là, ils n'ont rien à voir avec la campagne électorale ou la circulation des candidats. Ce n'est pas leur rôle. Alors, merci, professeur. Alors, Serge Ignawa, vous, selon vous, votre analyse de suite, vous venez de suivre un professeur qui dit que les préfets et les maires, ils n'ont pas quand même de responsabilité à jouer dans cette organisation, si ce n'est pas la CENI. Alors, Serge, vous êtes avec nous? Je suis avec vous, Gabriel. Alors, et maintenant, selon vous, est-ce que les préfets et les maires, ils n'ont pas quand même une contribution à apporter? Gabriel, je pense que... Oui, Serge. Que ce soit le préfet qui représente le président dans chaque département, je pense qu'ils doivent aussi savoir leur rôle. Et quand on parle des présidentielles, il y a d'abord la question que nous nous posons, qui organise les présidentielles? Ce ne sont pas les maires qui les organisent. Les maires sont là pour essayer de mettre de l'ordre. Les maires ne sont pas là pour aller imposer aux gens, pour dire que vous n'avez pas eu d'autorisation, ça ne se fait pas. C'est anarchique. Il ne faudrait pas que la CENI faille à... Peut-être dire que, d'après ce que nous avons vu, la CENI a failli à sa mission. Parce qu'elle doit veiller à ce que toutes ces campagnes se déroulent dans les normes, sans... Oui, Serge. Il y a également les forces de sécurité électorale de l'élection, bien sûr, présidentielle de 2020. Il y a également la FOSEF qui est là, qui a quand même fourni les éléments nécessaires, donc qui ont été bien formés pour essayer d'encadrer ces élections, surtout les campagnes, et essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas quand même de l'incident. Mais selon vous, selon la série de vidéos que vous venez de suivre, le reportage des reporters de Tempo Afrique TV que vous venez de suivre tout de suite là, est-ce que les forces armées jouent leur rôle exactement? Gabriel, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que nous avons vu réellement les chefs, comment on appelle ça, les forces de l'ordre? Est-ce que nous les avons vus? Est-ce que ceux-là même savent
le rôle qu'ils doivent jouer. Est-ce que les forces de l'ordre sont acquis, sont vraiment à la solde du régime en place? Parce que quand le président se déplace, on voit comment agit quand même les forces de l'ordre. Pourquoi il ne peut pas agir de l'autre côté? Sans cela, j'ai dit la fois dernière, c'est une erreur que le président reste encore président. Hein? Quelqu'un qui est à sa propre situation devrait dans un premier temps démissionner. Et maintenant, on va savoir qui organise les élections, qui va essayer de coordonner. Non, ben, Serge, de ce côté-là, il y a le code électoral qui précise bien que voilà, le président sortant reste président, il organise l'organisation des élections. Je suis d'accord, mais je dis que ça a été vraiment une grave erreur. Et c'est cette erreur que nous voyons aujourd'hui. Voilà comment ça se passe. On intimide l'ordre à l'opposition de ne pas faire son meeting. On lui dit que vous n'avez pas eu une autorisation. De quelle autorisation on parle? Donc, c'est le président qui a une autorisation. Regardez un peu, c'est un peu aberrant. C'est pas du tout bien. Si maintenant, il y a des démêlés, il y a quand même des troubles, qui on va accuser? Qui on va accuser? C'est le président de la République. C'est ceux-là qui mettent de l'ordre. Et sans cela, c'est de poser cette question. Quelle leçon pourrons-nous tirer de tout ce qui se passe pour que prochainement on organise bien les élections? Est-ce qu'il faudrait que la Constitution, dans la Constitution, on ait un article qui va démettre, tu vois, le président, c'est-à-dire la démission du président, pour que on puisse essayer de mettre de l'ordre un peu? Parce que si le président est toujours là, ça va continuer. Et la CENI, je pense que elle doit revenir, en tout cas, mettre de l'ordre. Le professeur a parlé, vous avez parlé de l'Union européenne, le professeur a parlé de l'Union européenne et puis l'Union africaine. Voilà. L'Union africaine. Je pense, eux, ils te disent, si ça capote, il ne faudrait pas qu'on leur dise qu'ils sont témoins, donc ils reculent. Mais dans un premier temps, je prends l'Union africaine qui devait prendre quand même ses responsabilités. Depuis fort longtemps, les Togolais étaient en train de pleurer. Les Togolais étaient en train de dire. On a le dialogue. Le dialogue n'a rien donné. Et voilà encore, le dialogue, la feuille de route n'a pas été bien suivie. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc, l'Union africaine se désengage réellement de son rôle. Et demain, on va appeler ses chefs d'État à aller à Addis Abeba pour tenir des réunions. Je pense que cette responsabilité n'est pas encore acquise. Et que l'indépendance que les pays cherchent tant, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout ça. Donc, il va falloir qu'on essaie quand même de ne pas fuir la responsabilité. L'UNIR, qui est aujourd'hui le parti de Floyd Yacimbe, doit savoir qu'il y a aussi dans l'opposition des hommes qui peuvent prendre la responsabilité. Des hommes aujourd'hui qui sont présidentiables. De quoi l'opposition, de quoi Uni a-t-il peur? De quoi RPT Uni a-t-il peur? C'est la question que nous nous posons, Gabriel. Voilà, mais merci Serge, merci. Il est vrai que vous venez de faire tant de propositions pour ce qui concerne l'amélioration des apports, des ingrédients qu'on doit essayer d'ajouter au code électoral pour que le président sortant démissionne d'abord. Bien, ça c'est bien noté. On verra si en réalité le moment où le nouveau gouvernement sera en place avec l'Assemblée nationale, on va pouvoir essayer de prendre cette proposition en compte. Alors, revenons maintenant, professeur Moussa ici. Fou. Maintenant, nous sommes en train d'aller entamer la deuxième partie, j'allais dire, bien sûr, de cette émission. Que peut-on faire maintenant pour éviter le pire? La CENI est là, mais les irrégularités sur le terrain se font sentir. Jusqu'alors, nous n'avons pas encore écouté les propos du président de la CENI et ses collaborateurs qui appelleront quand même les choses, ou bien qui appelleront les candidats à l'ordre. Professeur. Le président de la CENI ne dira rien. Il va te dire que tout ce qu'on dit là, que ce n'est pas vrai. Il va nier. Le problème du Togo, c'est quoi? Le président de la CENI, c'est un activiste du parti au pouvoir.
Et donc, c'est pourquoi j'ai parlé d'une CENI dépendante et non indépendante. Le président de la CENI, c'est un militant de premier plan du régime au pouvoir. Le président de la CENI... Mais au niveau de la CENI, il ne devait pas quand même prendre position, normalement. Oui, mais c'est ce qui est malheureux. S'il ne peut pas prendre position, alors Faure n'allait pas se présenter. C'est parce qu'il s'est assuré qu'au niveau de la CENI, ils sont à 100% majoritaires, qu'il a accepté d'aller parce qu'il sait qu'il n'a même pas 10% de l'électorat au Togo. Faure Gnassingbé n'en a pas. Vous avez vu le travail qu'il fait. Il transporte ses marchandises avec lui. On dirait du bétail partout où il va. Il va déverser les gens. Les camions viennent déverser les gens. Et les mêmes personnes, si tu prends les photos, tu vas retrouver les mêmes personnes partout, les mêmes visages partout, dans toutes ces réunions. C'est un groupe, le même groupe qu'on transporte partout. Et ceux-là aussi, les Togolais pauvres d'eux, à cause de 2000 francs, certains en sont morts récemment. Des élèves, à cause de 2000 francs, ils se permettent de se faire balader, on les balade comme ça partout. On dirait, ce n'est pas des marchandises. S'il vous plaît, et où est votre... Non, professeur, ils disent que voilà, ils ne partagent pas de l'argent, donc ils appellent, c'est la population qui les aime comme ça, hein, donc selon les propos, bien sûr. Monsieur Gabriel, prenez votre appareil photo, allez photographier les gens, là, vous allez retrouver le même visage dans tous les meetings de Faure Gnassingbé. C'est les mêmes personnes qu'on travaille, c'est pourquoi on appelle import-export. Import-export. Donc, ils ont ciblé déjà, par exemple, pour la réunion de ce tout-là, ils ont transporté les gens de, comment appelle-t-on, à des bassards et autres, pour venir déverser. Oui, nous avons appris également qu'à ce coup d'œil, on a fait sortir des élèves qui n'ont pas fait leur cours, mais finalement, on les a fait sortir. Ce n'est pas suffisant. Il a fallu transporter les gens de Niantougou, de Kanté, de Kara, pour venir déverser à ce coup d'œil. Et ça, là, on va dire que vous êtes en train de vous tromper. Si vous trompez les gens que vous êtes populaire alors que vous ne l'êtes pas, vous jouez avec qui? Ça, c'est votre problème. Vous-même, vous savez que les gens vous ont, je ne sais pas, vomi. Vous n'avez pas 10% de l'électorat au Togo. Et maintenant, vous êtes en train de forcer, vous transportez les pauvres. Vous les transportez pour leur donner 2000 francs chacun. Et si ils acceptent ça, on les trimballe au risque de leur vie. On vous amène. J'ai appris que les gens qui ont eu l'accident en revenant du meeting du RPT à Papouda, deux sont morts. Les autres qui sont restés, on les a jetés à l'hôpital, on a pu les laisser. Il n'y a pas de prise en charge. Ils sont là en train de moisir. Pendant ce temps, le RPT continue par faire son export, puisqu'il a trouvé une marchandise à vil prix. Il va les utiliser. Alors, professeur, maintenant, la CENI, normalement, doit rappeler à l'ordre les choses normales pour que tout le monde se mette dans son bain et que les candidats de l'opposition ne se sentent pas quand même léchés. Et maintenant, selon à votre avis, que peut-on faire maintenant? Est-ce qu'on va laisser comme ça et que ça termine à la quelle heure comme ça? Nous sommes en train d'attirer l'attention du monde entier. Vous voyez, ce n'est pour rien que lui a dit je ne m'y mêle pas. Ce n'est pour rien que l'Union européenne a dit je ne m'y mêle pas. Parce que c'est totalement une parodie d'élection qui est en train d'être organisée. C'est une parodie. Ça ne vaut rien comme élection. Même en Corée du Nord, on n'organise pas d'élection dans ces conditions-là, où un seul parti a tout et les autres n'ont rien, y compris l'argent du financement des partis politiques pour la campagne. On refuse de décaisser cet argent-là, pourtant promis, pourtant voté par l'Assemblée nationale. On refuse de donner l'argent parce que si on leur donne un peu, ils peuvent faire vraiment trembler le régime. Et malgré tout, le régime tremble. Toujours. Oui, professeur. De ce côté, pour le financement de la campagne ou autre, là, nous avons quand même eu des propos du responsable qui nous dit que voilà, c'est un problème technique qui était survenu. Donc, ceci fait qu'on ne peut pas quand même décaisser les fonds au préalable. Donc, mais que les candidats soient sur le terrain et après, essayer de débloquer les fonds. Oui.
Bon, on revient à vous, on donne la parole à Serge Niawa. Alors Serge, selon vous, voilà les candidats, comme vient de dire tout de suite le professeur Moussa Issifou, les candidats n'ont pas été financés, puis surtout de l'opposition, n'ont pas été financés, alors que le code électoral qui a été voté par l'Assemblée nationale a prévu bien sûr qu'il va falloir décaisser des fonds pour essayer d'appuyer les candidats de l'opposition, mais à la fois du pouvoir, pour qu'ils soient quand même aisés sur le terrain de campagne. Selon vous, Serge Niawa, voilà un problème qui a fait qu'on n'a pas pu décaisser ces fonds-là. Gabriel, oui. Je ne pense pas que c'est un problème de technique. Vous n'avez pas d'un problème technique. Je ne pense pas que ce soit un problème technique. Exactement. Ils ont fait exprès pour ne pas que l'opposition ait de l'argent pour aller faire leur campagne. Mais l'opposition n'attend pas cela pour aller faire leur campagne. Voilà encore, ils ont tous les problèmes. Tout uni est en campagne. Ils prennent l'argent, les 500 millions ou bien 300 millions qu'ils avaient prévu pour l'opposition. À quel moment ils vont donner cet argent? C'est ce même argent qu'ils sont en train de prendre maintenant. Tout le gouvernement est maintenant en train de faire la campagne. Et demain, les caisses de l'État vont être vides. À qui la responsabilité? Mais laissons cela. Il ne faudrait pas qu'on amène les gens à agir. L'opposition a pris ses responsabilités pour ne même pas s'occuper de ce qu'on va leur donner. Ils sont partis faire leur campagne. Et ils donnent du fil à torque au régime en place. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la popularité du président du RPT Unir. Oui. Mais je pense que s'il faille qu'on transporte des gens dans les bus, dans les cars, pour les amener où là où le président s'en va, s'il faille qu'on arrête les cours des élèves qui doivent étudier pour devenir demain président, pour avoir leur pain, on les amène pour regarder. C'est pas pour voter, hein. Simplement pour regarder la campagne. À la popularité, c'est dommage. C'est pourquoi aujourd'hui, l'UNI a peur. Et la question que j'avais posée, de quoi l'UNI a-t-il peur? Pourquoi tout ceci? Et oui, selon vous, oui, Serge Niawa, selon vous, l'UNI a peur de quoi exactement? Sinon, si sur le terrain, l'UNI se sent à l'aise, hein, il n'a pas la crainte de qui que ce soit. Se sent à l'aise. Si l'UNI se sentait à l'aise, là, on n'allait pas empêcher les autres pour faire leur meeting. On n'allait pas intimider l'ordre à l'opposition pour dire que vous n'avez pas demandé l'ordre. C'est quel ordre on va demander, hein? Vous avez parlé tout à l'heure qu'est-ce que la CENI doit faire. Mais le président de la CENI, le président de la CENI, qui l'a mis là? Quand on dit président de la CENI, ça veut dire en même temps le régime en place. S'il ne fait pas son travail, mais pourquoi l'a mis là? C'est pour qu'il puisse faire son travail. Et le travail qu'il doit faire, c'est par rapport à ce qu'on lui demande, par rapport à ce que le patron lui demande. S'il n'est pas efficient dans son travail, vous allez savoir ce qui va arriver. Maintenant, si on non, prend... Mais c'est Serge, le président de la CENI n'a pas quand même un patron, selon ce que le texte prévoit bien. Le président de la CENI est indépendante, donc son président et ses collaborateurs, ils n'ont pas de supérieur. Ils doivent jouer leur rôle 5 sur 5 et donner un compte rendu à la fin. Ils n'ont que la Cour constitutionnelle pour essayer d'inspecter les choses. En ce moment, Gabriel, qui organise les élections? C'est bien la CENI. Pourquoi cette dénomination CENI? Est-ce que, comme l'a dit le professeur, est-ce qu'elle est réellement indépendante? Non, elle est à la solde du parti au pouvoir. Ce n'est pas seulement, au Togo, mais dans les autres pays aussi d'Afrique. La CENI, elle n'est pas indépendante, comme son nom l'indique. Vous savez... Voilà, Aboyomé a choisi une stratégie. Allez-y, commencez au nord là-bas. Mais moi, je vais commencer à Lomé ici. Au moment où maintenant vous allez terminer vers le nord, moi, vous allez terminer là où vous avez commencé. Moi, Aboyomé, j'arrive maintenant. En ce moment, tout est apaisé.
Moi, j'arrive. On ne peut pas me dire que vous n'avez pas demandé l'autorisation. On ne peut pas me dire que, chose, comment on appelle, on vous interdit l'ordre de pouvoir faire votre réunion. Vous avez vu. Donc, je pense que M. Jean-Pierre Fabre, les gens sont en train de provoquer. Donc, il n'a qu'à changer de stratégie. S'il doit aller là où le président est, il n'a qu'à aller quelque part où le président ne doit pas aller. C'est après maintenant, il va passer là-bas. Parce que s'il passe là-bas, il y a une popularité. Il peut savoir ce que le président a dit là-bas. Le président, voilà ce qu'il a dit. Mais moi, Jean-Pierre Fabre, je viens pour vous dire, je n'ai jamais été président. Mais je viens pour vous dire que dès que je serai élu, voilà ce que je dois faire. Je ne viens pas pour critiquer le président, mais je viens pour vous donner mon plan de gouvernement. Je pense que s'il y a des provocations, on doit changer de stratégie, Gabriel. D'accord. Merci Serge Ngawa, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais il nous reste quelques poignées de minutes, ceci selon la réalisation. Voilà, maintenant, professeur Moussa Issifou, en tant que un expérimenté, bien sûr, en la matière, et s'il n'y a pas quand même une pression internationale, est-ce que nous ne risquons pas quand même de vivre le pire? Oui, la pression internationale ne viendrait qu'après que les Togolais eux-mêmes, n'est-ce pas, aient pu faire pression. Il faut que la pression commence par les Togolais et cette pression-là va être intense. Et ça va s'exploser, la communauté internationale dira, bon, voilà, les Togolais sont en train de faire leur mieux, et maintenant, il va falloir, comme nous ne sommes pas, le Togo n'est pas un pays qui vit sur une île isolée, il fait partie des conseils des nations, on va dire un mot, on va faire ceci. Donc, tout revient au peuple togolais. La balle est dans le camp du peuple togolais. Je dirais même oui, professeur, mais il est à noter. Il est à noter, professeur, un petit rappel. Il est à noter que l'Assemblée, tout récemment, a voté une loi qui interdise carrément à la population de se manifester. Mais selon vous, ce que vous êtes en train de dire, il va falloir que la population manifeste et son mécontentement, n'est-ce pas? Oui, mais s'il vous plaît, il ne faut pas exagérer. L'Assemblée nationale a voté sa loi. Quand vous allez lui remettre une demande de manifestation, c'est là où la loi là, s'applique. Maintenant, à partir du moment où nous tous nous sommes convaincus que cette loi-là est injuste, on n'obéit jamais à une loi injuste. Une loi injuste est faite pour être désobéie. Et de circonstance. Mais il est écrit aussi hein, qu'il va falloir informer l'autorité. Les lois les plus cruelles au monde, même l'holocauste des Juifs par Hitler, il y avait des lois écrites pour entamer, n'est-ce pas, l'extermination des Juifs. Est-ce que c'était une loi juste? Ce ne l'était pas. Okay. Et donc, ce n'est pas parce que certains députés s'étaient réunis quelque part. De sur quoi des députés nommés qui n'ont aucune légitimité populaire se réunissent quelque part pour voter une loi qu'elle devient subitement une loi juste. Non. Vous savez, je vais vous dire... Oui, professeur. Je viens. Oui. Toutes les lois que tout gouvernement au monde, dans le monde entier applique, c'est des lois naturelles, mais le gouvernant essaie, n'est-ce pas, de s'approprier ces lois-là pour pouvoir fonctionner la société. C'est pourquoi quand vous violez ces lois-là, le monde n'est pas en paix. C'est-à-dire que le droit à la vie, le droit à la liberté de s'exprimer, de vivre là où l'on veut, de dire ce que l'on pense, de regarder ce que l'on veut, et la poursuite du bonheur, ces trois éléments sont des éléments naturels. Ce n'est pas l'homme qui les a créés. Donc, alors, lorsque des députés nommés se regroupent, même s'ils sont 1000 députés,
Et ils disent à partir de ce moment-là, nous allons vous priver de cette loi naturelle-là, de ce droit naturel-là. Mmh. Il faut savoir qu'ils n'ont rien fait, puisqu'on ne peut pas aller à l'encontre de la loi de la nature. On ne peut pas aller à l'encontre de la loi divine. Et donc, lorsqu'on veut priver à quelqu'un, n'est-ce pas, sa liberté, on est en train d'aller à l'encontre de la loi de Dieu, de la loi naturelle. Mmh. Et c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Le Togolais a le droit d'exprimer son droit naturel d'homme libre et de dire non à ce qu'il n'aime pas sans demander de permission à qui que ce soit. Les lois sont faites pour renforcer ces droits inaliénables que les gens ont acquis en naissant. Personne n'a le droit de le leur arracher. Comme ils sont en train de... C'est pourquoi je dis que toute loi qui est contraire à la loi naturelle, c'est une loi injuste. Par conséquent, ce que les députés ou bien les nommés togolais doivent être oppris parce qu'elles ne sont pas des lois légitimes, elles ne sont pas des lois légales, parce qu'elles violent, n'est-ce pas, les lois fondamentales de la nature. Et c'est pourquoi j'ai dit que le Togolais, s'il se sent lésé dans ce processus, a le droit de sortir pour crier haut et contre et dénoncer le propre et dénoncer la tricherie. C'est que, et donc là, il n'aura pas besoin de permission à qui que ce soit. Si l'esclave avait attendu la permission de son maître, il n'aurait jamais eu l'affranchissement. Il ne serait jamais libre. Ouais. D'accord. Mais oui, professeur. Il est vrai que voilà, le peuple doit manifester son mécontentement dans les rues en sortant. Mais au fait, de toutes les façons, il y a l'autorité compétente également qui n'est pas sans savoir que vous n'êtes pas sans savoir qu'on doit informer. Vous savez, avant de faire toute manifestation. J'ajoute une seconde quelque chose avant de vous laisser la parole. Vous me parlez de l'autorité. Qu'est-ce qui fonde la légitimité de l'autorité? Je vais vous dire une chose. Ce qu'on appelle contrat social. Le contrat social que les Thomas Hobbes, les Locke, les Montesquieu et les Rousseau, et que sais-je encore. Et même, ça a commencé en Afrique. En Afrique, dans les royaumes, n'est-ce pas, les administrés acceptent de se soumettre au roi en contrepartie afin que le roi, n'est-ce pas, leur apporte la sécurité, la protection, afin qu'ils ne s'attaquent pas les uns les autres. Et nous lui disons que selon ce principe de la loi naturelle, qui fait que l'homme doit nécessairement tout faire pour protéger la vie, les gouvernés ont accepté de signer un contrat qu'on appelle contrat social avec les gouvernants. Et ce contrat, c'est que je vais être en sécurité en acceptant ta gouvernance. Donc, tu vas me protéger. En contrepartie, je te remets certains de mes droits. Mais au même moment, on dit que si ce gouvernant devient un tyran et qu'il devient maintenant un obstacle à votre liberté, il faut renverser ce tyran-là. C'est un fait naturel. Ça n'a rien à voir avec une rébellion. Naturellement, tu as le droit de renverser le tyran qui te prive de tes droits naturels. C'est ce que nous sommes en train de demander. Le Togolais doit comprendre que manifester contre un régime tyrannique ou tenter, n'est-ce pas, de le mettre hors d'état de nuire, c'est un droit naturel et légitime. Et la constitution togolaise de 1992 l'a bien précisé. En cas de coup de force, chaque Togolais a le droit, qu'il soit où qu'il soit, de tout faire pour s'opposer à l'usurpation. C'est ce qui se passe au Togo. C'est une usurpation, de son temps. Et les gens se taisent. Et ça, d'accord. C'est... Donc, on va... Oui.
Donc, on va voir, c'est comme l'élection présidentielle est en cours de préparation et d'ici le 22 février maintenant, les Togolais seront aux urnes pour essayer de s'exprimer et soit ça va changer ou pas, on ne sait pas encore. Alors Serge Ngawa, vous venez de suivre le professeur Moussa Issifou qui propose qu'il va falloir que le peuple manifeste son mécontentement et essayer quand même de revendiquer et demander l'ordre sur table. Alors, selon vous, ce peuple-là n'a pas quand même les armes aujourd'hui, mais le régime en place aujourd'hui, ils ont quand même les armes derrière eux. Ils peuvent toutefois, vous venez de suivre Éric Dupuis, qui a bien quand même précisé que si c'était l'opposition qui est en train de manifester, l'armée saura comment les gazer et les réprimer et les disperser. Mais comme c'est le parti au pouvoir, ils ont laissé faire. Alors, Serge Ngawa, selon la proposition du professeur Moussa Issifou, est-ce que ce serait possible? Si vous avez écouté le message de Mathieu Kérékou qui parlait du Togo, je pense bel et bien que ce message devra être compris de tous les Togolais. Vous savez, monsieur Gabriel Aduna, lorsque aujourd'hui on réprime, sinon lorsque les gens sont en train d'être tués, par exemple, si les gens qui vont, qui sont malades et qui vont à l'hôpital qui meurent, les gens qui sont en train d'être opprimés parce qu'ils veulent leur dû, il y a d'autres personnes qui sont en train de mourir pour d'autres choses. Ces gens-là sont encore plus nombreux que ceux-là même qui doivent manifester et qu'on doit tuer, par exemple. Ça veut dire que l'armée que nous avons aujourd'hui, dans un au plus tard, l'armée pourrait avoir le cœur pour dire que tiens, il va falloir que je sois avec le peuple. Il va falloir que je fraternise avec le peuple, compte tenu de tout ce qui arrive. Durant combien d'années, plus de 52 ans, c'est le même pouvoir qui, aujourd'hui, arrive à nous gouverner. Notre statut que nous avons n'est pas au beau fixe. Il va falloir que nous essayons quand même de mettre le droit dans ce pays. Vous savez, l'armée peut intervenir plus tard, mais de toute façon, le peuple, vous avez combien de millions de Togolais aujourd'hui? Près de 7 millions de Togolais. Si ceux-là se mettent dans les rues, hormis d'abord ceux qui sont à l'extérieur, 2 millions, si ceux-là se mettent dans les rues, les militaires qui aujourd'hui les molestent, peut-il tuer tous ces Togolais? Gabriel, je pense que quand tu prends le pouvoir, tu dis que c'est le peuple qui m'a élu, c'est le peuple qui a fait ça, c'est ce même peuple-là qui va se mettre dans les rues demain pour pouvoir prendre ses responsabilités. La loi anti-manifestation qui a été créée, c'est pour intimider simplement les opposants. Parce que s'ils se mettent dans les rues, on va les prendre pour les mettre en prison. Mais l'opposition a compris. L'opposition a compris et s'est mis à côté pour les regarder. Mais l'opposition dit le dernier jour va arriver et le dernier jour, ça sera le 22. Si tout ce qui va se passer, c'est vous-même qui l'avez dit la fois dernière, je crois que quelqu'un l'a dit, Jean-Pierre Fabre avait pris tout ce qui est le matériel et il allait, je crois que c'est pas dans son QG, il pouvait voir réellement ce qui se passe. Mais il n'a pas continué. Mais cette fois-ci, que ce soit Jean-Pierre Fabre qui dit que aujourd'hui c'est aujourd'hui, que ce soit M. Kodua Gouémé qui dit que aujourd'hui c'est aujourd'hui, toute cette position qui est en train de dire que elle est divisée, mais vous allez la voir. Parce que c'est le dernier village que nous allons vraiment aborder. M. Gabriel, vous avez parlé tout à l'heure de la pression internationale. La communauté internationale ne va pas intervenir comme ça. Elle a averti la communauté internationale que si tout est apaisé et que vous allez aux élections et que ce qui va sortir des urnes est une vérité, nous allons quand même vous laisser aller. Celui qui pourra gagner peut gouverner. Mais si la vérité des urnes, si ce qui est dans les urnes confirme la vérité totalement de ces urnes, je pense que nous n'allons pas prendre nos responsabilités. Mais moi, je ne vais pas écouter cette communauté internationale qui est venue hier au Togo
pour servir d'appât, pour servir. Exactement. Je peux appeler oui, ça. Oui, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Oui, oui. Pour servir, en tout cas, le régime en place, mais je demande à la population togolaise, vous allez voter au soir, vous allez voter le 22 février. Comme l'a dit un candidat, si vous vous réveillez à 6h du matin et que vous allez voter à 7h, je vais vous ramener. La victoire à midi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà qu'il amène tout le peuple togolais à aller massivement voter pour que le peuple là voie la vérité des unes et que demain ne dise pas qu'ils sont restés à la maison. Et c'est en ce moment que la voix du peuple peut porter. Et c'est en ce moment que l'opposition peut s'agiter. Et c'est en ce moment que la communauté internationale peut s'agiter. Mais je pense que pour cette campagne, les Togolais ont bien vu, les populations ont vu, mais tenez-vous bien, tout ce qui se passe, les bus qui sont en train de transporter des gens, je ne dirais pas que c'est la honte, mais on voit réellement, hein, on voit réellement, le, comment je peux appeler ça, on voit réellement celui qui n'a pas de poids vis-à-vis de la population. On voit réellement celui qui arrive à grands pas. On voit réellement hein, la vérité des unes. Mais il va falloir que le Togolais protège ce qui va sortir de ses unes. Le Togolais doit protéger son vote. Pour ne pas demain encore aller derrière. Oui. Parce que c'est le dernier virage. D'accord. Mais merci Serge Ngawa. Nous sommes pratiquement à la fin. Quel serait quand même votre dernier mot, surtout conseil aux membres de la CENI, surtout le président et ses collaborateurs? Gabriel, merci pour la mise en œuvre de cette émission qui est vraiment une émission lumière à laquelle participe le professeur, le docteur Moussa, qui n'aménage même pas sa monture pour voir ce qui se passe. Le docteur est là, mais il voit ce qui se passe. Le docteur dit ce qu'il pense et que les Togolais demain auront quand même les yeux ouverts pour réclamer leur dû. Le docteur l'a dit. Et lui, il ne va pas essayer de parler d'un candidat. Mais ce qui est sûr, nous tendons vers la finalité. Parce que tout n'était pas réuni comme transparence, hein, pour la transparence. Mais je vous suis. Mais je voulais donc déjà dire à tous les Togolais que c'est le dernier virage. De faire confiance à ceux-là même qui demandent l'alternance. Parce que les Togolais ont parlé de l'alternance. Qui parle de l'alternance? C'est bien l'opposition. Le régime ne peut pas parler de l'alternance. Le régime peut parler peut-être de changement, mais pas de l'alternance. Donc, le peuple togolais doit essayer de mettre le cap sur cette opposition, sortir massivement pour voir ce qui va se passer dans les urnes. Protéger son vote. D'accord. Protéger son vote. Et que le meilleur gagne. Oui. Et que le meilleur gagne. Que la vérité des unes fasse gagner le meilleur. Je vous remercie, Gabriel. Merci, Serge Ngawa. Alors, professeur Moussa Issifou, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez participé, votre contribution a été écoutée par des grands oreilles. Et mais finalement, quel serait quand même votre conseil que vous pouvez donner maintenant aux membres, spécialement aux membres de la CENI, pour qu'ils quand même puissent se ressaisir et prendre quand même leurs responsabilités pour la sérénité de ces élections? Je vais envoyer un message clair, pas aux membres, au président de la CENI, puisque c'est lui seul qui fait tout. Les autres membres n'en savent rien. Demandez-leur, ils vont vous dire que je ne sais pas ce qui se passe. Je vais dire au président, je pense qu'il s'appelle Tchambapou Ayassor, c'est ça? C'est lui, non? Oui, et c'est ça, c'est lui. Tchambapou Ayassor, c'est lui. Ayassor. Je vais lui rappeler quelque chose. Au Zaïre, le président de la commission électorale et qui a été placé là-bas par Kabila, qui s'est entêté à faire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. À l'heure où je vous parle, le gars était malade. On devait l'évacuer d'urgence en Europe, mais l'Union européenne lui a refusé le visa parce qu'il était sous sanction à cause du rôle qu'il a joué dans la commission électorale.
Donc, je voudrais dire à mon parent Ayassou Djabakou, Ayassou, que Ayassou, il peut tout faire, mais il n'a qu'à se souvenir que, quel que soit le cas, il ne va pas occuper ce poste-là jusqu'à la fin de sa vie. Et que s'il s'attire, n'est-ce pas, la colère des gens, notamment les partenaires européens et autres, c'est lui seul qui va souffrir. Parce que quand on a refusé le visa au président de la commission électorale du Zaïre, du Congo, Kabila n'était plus là pour le sauver. Pourquoi? Donc c'est pour dire à mon parent, je l'appelle mon parent parce que c'est un Togolais, moi tout Togolais est mon parent, je dis à mon parent Ayassou de vraiment faire attention. Ce n'est pas parce qu'il est président, il a été nommé par Fort, qu'il doit jouer le rôle de protéger Fort et de faire des fraudes. Non, ça va le rattraper. Et quand ça le rattrapera, ça sera trop tard. Je le mets en garde parce que si ce n'est pas sa faute que le sang des Togolais devait couler encore au Togo, l'histoire retiendra que en son temps, en tant que président de la commission électorale, il a aidé, n'est-ce pas, à faire verser le sang des Togolais. Et tôt ou tard, il répondra de ces actes-là. En tout cas, c'est le conseil que j'ai à lui donner. Il n'a qu'à se méfier et de cesser, n'est-ce pas, de favoriser un candidat qui a déjà fait 54 ans au total avec le règne de son père, ce qui n'est pas normal. Je vous remercie. C'est ça. Merci, professeur Moussa Issifou. Alors, Serge Niawa, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal, Serge Niawa, qui est toujours là pour être connecté avec vous. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journaliste de Tempo Afrique TV.